Good morning, allez, den le tutor aujourd'hui, le lunchmat Amram Yonaben Khan, Piggy Batesterni, Simben Aouda, aussi dire Fouat, Rout Bat Koledin Train, Asim Rabat Masoudi Betor, Chapro Israël, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Eduyot, Perek He, Mishnah Dalet. Rabbi Eliezer Omer, Shnei Dvarim, Mekulebet Shamayom, Mechumrebet Hillel, Dam Yoledet, Shelot Avla, Bet Shamayom Rim, Kemoka, Ochme Meir Aglea, Obet Hillel Omrim, Metame Laf Veyavesh, Umodim, Beyoledet Bezov, Shehu Metame Laf Veyavesh. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer enseigne, Shnei Dvarim, Mekulebet Shamayom, Mechumrebet Hillel, sur deux points supplémentaires par rapport à tout ce qu'on a déjà enseigné depuis ces deux Pakim. Alors, sur deux points, on a Mekoulé Bet Shamay ou Mechumre Bet Hillel. On a vu que Bet Shamay était plus permissif que Bet Hillel, qui était donc plus strict, plus Mahmir. Premier point, première discussion. Dans notre Mishnah, on va voir la première discussion. Et dans la Mishnah prochaine, Mishnah Hé, il y aura la deuxième discussion. Jusqu'à maintenant, on avait des fois, comme la précédente, comme ce qu'on a déjà vu, quoi, des Mishnayot, on a porté 6 discussions en une seule Mishnah. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, Rabbi, quand il a organisé la Mishnah, il a préféré couper deux discussions en deux Mishnayot. Vous lui poserez la question quand on rencontrera Bezrat Hashem au Gan Eden ou à la Tres Amitim. En tout cas, Bet Shamay Omrim. Donc, première discussion, on va parler de Dam Yoledet Shelot Avla. Le sang d'une femme qui a accouché et qui ne s'est pas encore trempée. Bet Shamay Omrim, Bet Shamay enseigne, Keroka Ochmeme Raglea. Ce sang est considéré comme Roka, comme son crachat, sa bave, et comme Meme Raglea, comme ses urines, un statut particulier, qui est Metame Lach Velo Yavesh, ça rend impur tant que c'est encore humide, mais dès que ça sèche, ça ne rend plus humide. On va expliquer, bien sûr. Ou Bet Hillel Omrim, Metame Lach Ve Yavesh. Et selon Bet Hillel, ce sang-là de la femme qui a accouché rend impur qu'il soit Lach ou Yavesh. En théorie, il faudrait déjà s'arrêter et expliquer, mais je préfère continuer encore la prochaine phrase et reprendre ensuite tout une fois que ce sera expliqué. Ou modim, parce que ça va nous aider en fait pour mieux expliquer. C'est plus facile quand on veut expliquer quelque chose de compliqué, de commencer d'abord avec ce qui est admis, puis ensuite on va entrer dans les détails de la question. Donc en fait, c'est ce cas-là qui m'intéresse. Ou modim, beyoledet bezov. Chachamim reconnaissent que si une femme accouchait alors qu'elle était zava auparavant, shehu metame lach veyavesh, que dans ce cas-là, ce sang rendra impur lach et yavesh. Et on explique de quoi on est en train de parler. Tout d'abord, deux petites introductions. Une femme nida ou bien zava, c'est deux sortes d'impuretés, c'est le même principe. C'est une femme dans une période normale de sa vie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas accouché. La femme qui a accouché, elle a un statut particulier qu'on va expliquer juste après. Pour le moment, on parle d'une femme normale qui peut avoir soit ses règles, soit en plein milieu de son cycle, elle se met aussi à avoir du sang qui va lui couler. Alors que c'est hors cycle, d'accord? Il y a dans Maseret Nida, on définit bien précisément, c'est des cycles de 7 jours, 11 jours, 7 jours, 11 jours, pour définir, est-ce que le sang qu'on va avoir, c'est un sang considéré comme ce qu'on appelle une Nida, une femme classique menstruée, qui a ses règles mensuellement, ou bien, elle est ce qu'on appelle une Zava, c'est qu'elle a du sang hors période qu'elle était censée avoir du sang, et là, ça prend un statut un petit peu plus particulier, qu'on va expliquer en troisième position, en fait. D'accord? Donc, tant que la femme elle est Nida ou Zava, ça change rien au problème. Tant qu'elle est impure, alors le sang qui va lui couler. Alors, tout d'abord, avant de parler du sang, on va d'abord parler de Roka ou Meme Raglea. Tous les liquides, quasiment tous les liquides, qui vont lui sortir de son corps ont une forte Touma. D'accord? Si elle va se mettre à cracher, celui qui va toucher son Rok, il va devenir impur. Si elle va uriner, celui qui va toucher, entre en contact avec ses urines, alors il va devenir lui-même impur parce que c'est les liquides qui, les mashkei azav ou les mashkei anida, c'est la même chose, les liquides qui sortent du corps de l'anida qui sont eux-mêmes impurs. Ces liquides-là sont donc son crachat et ses urines. Une fois qu'ils ont séché, alors ils ne rendent plus impurs. D'accord ? Dès que c'est devenu sec, ça ne rend plus impur. Par contre, son sang, le sang, c'est-à-dire le sang qui va couler de là-bas, d'accord ? Donc le sang par contre qui va continuer à couler, ce sang là même lorsqu'il va sécher, il va continuer à rendre impur. Ça, maintenant on met de côté la Nida et la Zava pour maintenant parler du cas particulier de la Yoledet. C'est sur ça que justement ça va parler. On va une Yoledet d'abord, une femme qui a accouché. Selon la Torah, on l'a déjà évoqué récemment,
On l'a déjà vu dans une Mishnah, dans une des dernières Mishnayot, des dix dernières Mishnayot, je ne sais plus exactement. En tout cas, on avait vu là-bas qu'une femme qui a accouché, ça s'appelle une Yoledet. Alors, selon la Torah, pour un garçon, durant 7 jours, elle est impure. Le 8e jour, elle se trempe au mikvé, même si elle a plein de sang. Et elle est permise à son mari pendant 33 jours supplémentaires, même si elle va avoir plein de sang. Malgré tout, c'est ce qu'on appelle du dam torah, du sang pur, ou plutôt du sang des jours purs. Même si elle voit du sang, elle est pure. À partir maintenant, dès qu'elle va rentrer dans le 41e jour, elle va avoir le même sang qui va continuer à lui couler, elle va redevenir impure. Pour une fille, on double tout. 7 jours, ça devient 14 jours, donc pendant 14 jours, elle interdit à son mari. Après les 14 jours, elle se trempe au mikvé, et puis même si elle va avoir du sang, eh ben, ce n'est plus considéré du sang comme du sang interdit, jusqu'à les 66 jours supplémentaires, en tout 80 jours, et après le 81e jour, alors elle redeviendra impure. Elle a un statut particulier durant ses jours, elle peut pas entrer au Bet HaMikdash, mais malgré tout, elle est permise à son mari, même si elle voit du sang, c'est ce qu'on appelle du dam tohar. Bien sûr, à notre époque, on ne s'appuie plus sur ça, c'est le chemin de Mephorach, on ne se fonde plus sur ça. Une femme, même qui a accouché pendant ses jours de pureté, donc pendant ce qu'on appelle les Yémé Torah, malgré tout, si elle voit du sang, elle est interdite à son mari, on ne s'amuse pas avec ça. Malgré tout, donc il faut savoir, à cause d'un petit problème qu'on va découvrir, qui va être en rapport avec la fin de la Mishnah, on ne va pas trop allonger dessus malgré tout. Maintenant, donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est de mettre le zoom sur cette situation particulière. On a une femme qui a du sang de règles apparemment qui lui coule, c'est plus vraiment des règles parce qu'elle est complètement déréglée, elle vient d'accoucher. Mais en tout cas, elle a du sang qui lui coule donc de son, comme toutes les femmes, et malgré tout, elle est permise à son mari. Et puisqu'elle est permise, elle est pure. Donc si elle est pure, ce sang-là n'impurifie plus, n'aura pas impur. D'accord ? Le sujet maintenant de notre Mishnah va être de mettre le zoom sur une femme qui a déjà donc passé ses 7 jours, on va parler pour la naissance d'un garçon, elle a déjà passé les 7 jours, mais elle ne s'est pas encore trempée au mikvé. Bien sûr, vous savez bien, une femme qui est nida, qui a eu du sang, qui a eu ses règles, qui ne se trempe pas au mikvé, elle reste asura tumat nida, tant qu'elle ne va pas au mikvé. Bien évidemment, elle est formellement interdite à son mari, mais il sur karet comme un vrai statut de nida, même si elle n'a plus de sang qui coule. Pourquoi ? Elle ne s'est pas purifiée, donc elle a un statut de femme impure. La problématique de notre Mishnah maintenant va être de savoir si une femme qui a accouché, elle se trouve au 8e jour, donc elle est en théorie permis, le sang qui lui coule c'est du sang permis, elle ne s'est pas trempée au mikvé, donc elle est interdite à son mari. La question va être de savoir si le sang qui va lui couler va être défini comme un sang impur ou comme un sang pur. C'est-à-dire, il y a quelque chose, comme on a dit, il y a quelque chose de très particulier. La femme, pendant 7 jours, qu'elle ait du sang, qu'elle n'ait pas de sang, elle a un statut de Yoledet, elle est Tmea. Pendant qu'elle a accouché, elle a eu du sang qui lui est sorti. Il y a eu la Ptichat à Kever, ce qu'on appelle, sa matrice s'est ouverte pour faire sortir le bébé, son Rechem, et donc, maintenant, son utérus. Son utérus s'est ouvert pour faire sortir le bébé. Puisqu'il y a eu l'utérus ouvert, elle devient impure, forcément il y a eu du sang qui a coulé. Et puis, elle est interdite pendant 7 jours. Maintenant, qu'elle ait du sang, qu'elle n'ait pas de sang. Après le 7e jour, si elle a du sang, imaginez que la femme elle continue à avoir plein de sang pendant tous ces jours-là. Et malgré tout, dans le passage du 7e au 8e jour, elle continue à avoir autant de sang. Et malgré tout, elle va se tromper au mikvé, elle est pure. Donc tu vois bien que quoi ? Que le sang qui est en train de couler, apparemment, ce n'est pas du sang de Nida. Puisque si c'était du sang de Nida, comment c'est possible ? Si c'est une Nida, alors le sang qui lui coule, c'est du sang qui va la rendre impure. Si c'est du sang qui ne la rend pas impure, je déduis donc que ce sang n'est pas du dam nidout. Qu'est-ce que c'est ? Ben c'est un autre sang. Autant qu'elle peut avoir du sang qui va lui couler du nez, elle a du sang qui lui coule là-bas de l'utérus, mais c'est pas considéré comme du dam nida. Ça, c'est l'avis de Beth Shammai qui va, en théorie, minatora, rendre pur ce sang. Midera banan, ils vont faire une takana de le rendre impur, mais sans lui donner le même statut qu'un dam nidout. Si vous avez compris le principe, c'est exactement ce qu'il va nous dire Beth Shammai. Après, on va le revoir dans les mots, d'accord ? Tandis que Beth Hillel, il va nous dire non, Beth Hillel, c'est très original. Ils vont nous dire, écoute-moi, le sang qui lui coule, c'est du sang de l'utérus qui est censé être impur. La Torah, elle a dit, malgré tout, si la femme se trempe au mikvé, ce sang-là ne rend pas impur, mais tant qu'elle ne s'est pas trempée au mikvé, ce sang-là, c'est du vrai damnida qui rend impur minatora. Vous comprenez la problématique ? Je reprends encore une fois, je réexplique un peu mieux. Je répète finalement. Pendant 7 jours, la femme, elle est impure.
Imaginez qu'elle va avoir du sang même qui lui coule, elle reste impure, bien évidemment, elle ne peut pas se tremper au mikvé, elle est impure. Au huitième jour, elle a le droit de se tremper au mikvé, et puis elle va avoir du sang qui va continuer à lui couler, et malgré tout, elle va être pure. Alors, Beth Shammai vient et me dit, bah regarde, forcément, le sang du huitième jour, c'est un sang pur. Il y a même un avis dans la Gemara qui va considérer que c'est en fait deux sources du sang. Un qui vient de l'utérus et un qui vient d'un autre endroit qui est aussi dans l'utérus, mais c'est plus considéré le dam nidut. D'accord ? C'est des détails. Il y a une sugya dans Nida très intéressante. Il y a comme ça un avis en tout cas. D'accord ? Donc, Beth Shammai va nous dire, ben, le sang du huitième jour, c'est pas la même origine que le sang du septième jour. Parce que le septième jour, c'est du sang qui la rend impure. Ouais. Ou bien, c'est comme du sang de n'importe quelle femme, Nida. Tandis que le sang du huitième jour, regarde, elle a du sang qui lui coule et tu la rends pure. C'est que ce sang-là, c'est pas du dam Nida. De ce fait, maintenant, si la femme ne s'est pas trempée, la yoledet, la femme en cou qui a accouché, ne s'est pas trempée au huitième jour, donc après le septième jour, elle ne s'est pas trempée. Certes, elle a un statut de Nida, elle est interdite à son mari, très gravement. Mais malgré tout, le sang qui lui coule n'est pas considéré comme un sang de règle classique. C'est considéré comme du sang qui pourrait lui couler du nez, qui va être métamé l'ar velo yavesh. C'est-à-dire, il va le rendre impur lorsqu'il est humide et pas quand il a séché. Ça, même ça, c'est que midera banal, c'est Khamim qu'on fait un décret de peur qu'on va s'embrouiller avec certaines situations à cause du sang qui va continuer à lui couler le 41e jour. De ce fait, Khamim, ils ont dit non, tu veux du sang, tu t'en écartes. Mais malgré tout, donc, c'est plus considéré comme du damida, c'est considéré comme du sang du nez. C'est ni considéré. D'accord ? Et Khamim sont dit, donc ils ont fait cette zera de donner le même statut que son cracha, qui va être metame lach velo yavesh. Il rend impur lorsqu'il est humide et pas lorsqu'il est yavesh. On fait ça tout de suite dans les mots pour Beth Shammai, et puis après on explique qu'est-ce qu'il pense Mithilel. Dam yoledet shelo tavla. Le sang d'une yoledet, d'une femme qui a accouché, yoledet, yalda, on dit que c'est un enfant parce qu'elle a enfanté, donc une femme qui a enfanté. Le sang d'une femme yoledet shelo tavla, qui ne s'est pas encore trempée, alors qu'elle est en droit de se tremper et qu'on aurait rendu pur son sang, elle ne s'est pas trempée et puis elle continue à avoir du sang. Quel est son statut? Beth Shammai Omrim, Beth Shammai nous enseigne, Keroka Uchmemei Ragleya. C'est comme son roc, son cracha, et Kememei Ragleya, comme ses urines, soit quelque chose qui rend impur lorsque c'est lach velo yavesh, lorsque c'est encore humide, mouillé, et pas lorsque c'est devenu sec. Et donc même ça, c'est une takana de Rabbanan, si vous voulez, lisez ça dans le Bar Tenora, chez Metamim, Lachim, Ven, Metamim, Yeshim, Avdama, Metamelach, Veno, Metamim, Yavesh, Veno, Chashu, Kedamnida, chez Metamelach, Yavesh, il n'a pas expliqué que c'était une zera de Rabbanan, c'est pas grave. D'accord, c'est rapporté en tout cas dans le Farshim, il n'y a pas de problème. Au Beth Hillel Omrim, selon Beth Hillel, Metamelach, Veyavesh, ce sang-là qui va lui couler, il va la rendre impure, qu'il soit humide ou qu'il soit complètement sec, parce qu'il a un statut de Damnida. C'est pas écrit dans le Bar Tanoura cette fois-ci, c'est écrit dans le Tiferet d'Israël. Mideoraita, c'est Mouchar de la Gemara. Mideoraita, c'est du vrai Damnida. Pourquoi? Parce que Beth Hillel va me dire, ce sang-là, c'est du sang de l'utérus. Certes, si la femme, elle se trempe au mikvé et qu'elle continue à avoir du sang qui lui coule de l'utérus, c'est du sang qui n'est pas impur, puisqu'elle est encore, elle va se retrouver dans ses guémétoires, dans ses fameux 33 jours. Mais tant qu'elle ne s'est pas encore trempée au mikvé, c'est une femme qui en elle-même, qui a une tumat nida, elle interdite à son mari à cause d'une tumat nida. Le sang qui va lui couler de l'utérus, c'est exactement le même sang, c'est du sang qui va être impur, très gravement, au point où, même s'il va sécher, il va la rendre impure. Et il va être, d'accord, même s'il va être sec, il va rendre impur celui qui va le toucher, parce que c'est du vrai dam nida. Donc, metame, lach, veyavesh, il est impur lorsqu'il est humide et yavesh. Maintenant, pour conclure, umodim beyoledet bezov, shu metame, lach, veyavesh. Beth Hillel, comme Beth Shammai, tous sont d'accord, même Beth Shammai vont reconnaître à Beth Hillel que par contre, si la femme elle est ce qu'on appelle yoledet bezov, shu metame, lach, veyavesh, il y a une situation, alors là, on va expliquer c'est quoi une zava. Une zava, c'est ce qu'on a expliqué au tout début, ce qu'on a évoqué. Qu'une femme qui voit du sang hors cycle, alors qu'elle n'est pas censée avoir ses règles, alors le sang qu'elle va voir, ça s'appelle du dam ziva. C'est un écoulement hors cadre. Il a plus, il rentre dans aucun cadre. De ce fait, il a une touma très grave. Que si la femme elle a vu ça pendant 2 jours, 3 jours, une zava, alors maintenant, désormais, il va falloir que la femme fasse 7 jours de vérification, comme ce que nous on fait aujourd'hui pour n'importe quelle femme Nida. Alors il faudra qu'elle fasse de nouveau 7 jours de vérification
matin et soir, au minimum, en tout cas le premier jour et le septième jour, qu'elle fasse entrer un tissu blanc à l'intérieur de son endroit pour vérifier et nous s'assurer qu'elle n'a plus de sang, comme ce qu'aujourd'hui, n'importe quelle femme aujourd'hui qui veut devenir pure, après sa nida, on lui impose de faire ses 7 jours de vérification. Selon la Torah, une femme nida, en théorie, elle se trempe le 8e jour, et donc elle est permise directement. Malgré tout, comme non, c'est là le grand problème qu'il y a, c'est qu'on n'est pas assez baki. On va vite s'embrouiller, on ne connaît pas assez bien les règles de ziva et de nida, qu'en définir. Imaginez une femme qui a vu 3 jours de sang. Si c'est ses règles, en théorie, après le 8e jour, elle pourra se tromper au mikvé, elle sera permise à son mari. C'est pas la peine d'attendre 7 jours de vérification. Le problème, c'est que peut-être qu'elle avait un statut de ziva, et qu'en fait le sang qu'elle a vu, c'était considéré selon des calculs bien précis et complexes, c'est en fait considéré comme du sang hors circuit. De ce fait, les 3 jours qu'elle a vus, elle doit nécessairement faire ensuite 7 jours de vérification. De ce fait, Nahagoub Not Israël, on a eu le minag pour toujours, que n'importe quel zava, n'importe quel sang qui coule, on s'assoit, même une goutte, tipat dam kechardal, il y a écrit, même une petite goutte de sang comme un petit grain de moutarde. Ben désormais, on va s'asseoir, la femme, elle va être Shiva Nikim. Elle va vérifier pendant 7 jours, on va la considérer comme toute une zava. C'est un minag qu'on a pris sur le Not Israël, c'est une takana même, ça. On peut pas faire le... D'accord. Ça, c'était pour définir c'était quoi une Zava. De ce fait, on a un statut spécial. Donc une Zava, elle doit faire 7 jours de vérification. Il y a maintenant, pour la femme qui accouche alors qu'elle était Zava avant d'accoucher, imaginez qu'une femme, donc, 3 jours avant son 4 jours avant son accouchement, donc une semaine avant, en fait, elle a vu 3 jours de suite du sang. C'était pas du sang de l'accouchement. Et puis après, elle a fait 4 jours de pause. Elle avait commencé à vérifier. Et puis, pitom, elle s'est mise à accoucher. Cette femme-là, elle a un problème, c'est que maintenant, comme elle a couché en étant Zava, elle ne pourra pas attendre 7 jours et puis après aller se tremper directement au mikvé et être permise à son mari. Puisqu'elle était Zava, elle doit nécessairement faire ses 7 jours de vérification. D'accord ? 7 jours de vérification, elle va devoir vérifier qu'elle a fait entrer le tissu, vérifier qu'il ressort blanc et donc que sa Ziva s'est complètement arrêtée. Le fait d'avoir accouché au milieu n'a pas chamboulé la donne que maintenant c'est une femme Zava qui doit nous assurer qu'elle n'a plus d'écoulement hors circuit. Ok ? De ce fait, après les 7 jours de l'accouchement, si elle veut se purifier, eh bien, même pendant les 7 jours en fait, elle devra nécessairement assurer 7 jours de suite où elle n'a pas eu d'écoulement. Du tout. D'accord ? Partant de ce principe, cette femme-là, elle a un statut de vraie Zava, elle n'a pas la possibilité de devenir pure, en l'occurrence. Le sang qui va lui couler durant ensuite les 33 jours supplémentaires tant qu'elle n'aura pas fait sa vérification, alors le sang qui s'écoulera d'elle sera considéré comme du dam nida qui rend tamé l'ar veyavesh. Même Beth Shammai cette fois-ci ne va pas dire que c'est un sang considéré comme pur. Non, Beth Shammai va dire non, c'est un sang impur complètement, puisque cette femme doit nécessairement assurer 7 jours de vérification qu'elle n'a plus d'écoulement. Ça veut dire que là, cette fois-ci, on ne va pas dire que c'est du dam torar qui lui sort d'elle, que c'est du sang pur qui sort d'elle, mais c'est du dam tamé jusqu'à qu'elle assure qu'elle a passé 7 jours. De ce fait, tout sang qui va lui couler, même pendant 2 semaines, 3 semaines après l'accouchement, tant qu'elle n'aura pas fait ses 7 jours de vérification, on va supposer que c'est du dam ziva et qui va être métamé lar veyavesh, comme voilà. On a fini la Mishnah. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.